suis venu rendre service pour Olivier Dutreuil. Le temps est à peu près avec nous. Malgré qu'il faisait un peu frais ce matin pour amener le tracteur qui date de 1956. Bon, c'est pas très loin, entre 2,5 km, 3, mais bon. Je suis venu un peu à l'aventure parce que par où je suis arrivé, je ne connaissais pas trop la ville. Donc je suis arrivé, donc voilà. Mais là, il n'y a plus qu'à continuer et voir ce qui se passera après. Bon alors, aujourd'hui, c'est le grand jour. Mais ça va être peut-être le grand jour, on espère. Bon alors, là, aujourd'hui, les Dutreuil sont premiers. Ils sont premiers dans le cortège. Premiers dans le cortège, après on verra. Le concours, c'est autre chose. Alors, aujourd'hui, je sais que tu tiens beaucoup à être à cette manifestation. Depuis très longtemps, tu viens avec Jean-Pierre Dutreuil. Donc, pour toi, la fête des Beaugrâces, ça représente quoi? Bah, c'est déjà une tradition locale. C'est la fête de la race bazadaise un peu en même temps. Et la bazadaise, j'ai toujours été pour la tradition, présenter des belles bêtes. Mon bœuf va chez la boucherie Charrier, à Bazas, voilà. En espérant qu'il sera content du produit, et on espère avoir fait au mieux pour qu'il soit au mieux. On s'inquiète pas là-dessus. Mais après, bon, on n'est jamais dans les bêtes. Hein. Donc l'animal aujourd'hui va défiler. Une fois défilé, il y aura le concours. Et après le concours, il ira à l'abattoir pour être servi dans la boucherie quoi, dans 4 semaines, 5 semaines. Environ 3 semaines. Ils sont enrubanés, ils sont nettoyés, chouchoutés. Ça te fait quoi toi aujourd'hui? Tu l'amènes, c'est la peine pour lui. Le problème, ça fait un gros pincement au cœur. Je pense que c'est un animal qui a plus de 6 ans, qui est à la maison, qu'on a chouchouté, qu'on a aimé. Mais bon, si on veut vivre, c'est ce qu'il faut faire. Autrement, on ne vit pas. On est obligé. On sait que quand on les élève, l'issue finale, c'est ça. Et après, on est content aussi de le trouver dans l'assiette. Prochaine, est-ce que tu seras là? J'essaierai de tout faire pour être là l'année prochaine. On verra bien. On fera au mieux pour être présent, avec un ou deux bœufs, voire peut-être plus, mais on essaiera de revenir. Est-ce que j'ai besoin de présenter les loups de Bazas? Je sais pas. Les loups de Bazas, ils sont mariés avec la fête des Beaugrâces. Et la fête des Beaugrâces sans les loups de Bazas, il manque vraiment quelque chose. Donc aujourd'hui, il y a combien de participants pour les loups de Bazas? Les petits, il y a une douzaine de filles, autant de garçons, je pense. Et au niveau des grands, ce sera pareil. Voilà, ça fait entre 25 et 50 personnes peut-être en tout. On nous a tellement parlé de cette fête locale qu'on s'est dit que là, c'était le moment d'y aller. On nous a accordé quelques heures entre midi et deux pour venir voir, donc on en a profité. Traditionnel, les costumes traditionnels, et puis on sent que la population se retrouve, que c'est un moment fort de la vie locale. Aucune de nous n'est langonaise, donc dès qu'on est arrivé, on nous en a parlé comme... l'événement à faire. On voit que les loups de Bazas, il y a vraiment un engouement. On voit qu'il y a de la jeunesse qui arrive derrière. Il y a plein de petites. Et regardez ça. Bernard, tu peux filmer. Regarde. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est la jeunesse bazadaise. 3 ans, là, on a 6 ans. Voilà, on a vraiment des jeunes dans cette association. Et ça fait plaisir parce que ça veut dire que cette association se porte bien et que derrière, la jeunesse, elle adhère à ses traditions et à sa culture et ses racines. Et heureusement qu'il y a les petits jeunes qui arrivent, parce que sinon la relève n'existerait pas et on ne sait pas comment on renouvellerait le groupe.
de Bordeaux pour assister à cette merveilleuse journée. Et on nous avons super bien mangé et vraiment il faut venir, messieurs et dames, venez, c'est extraordinaire. C'est la première fois que je viens. Voilà. Et puis je suis vraiment très heureuse d'être venue parce que c'est merveilleux. Avec des copains en fait du Bœuf qui rit et puis d'autres amis d'associations de Bazas comme les Calistrounes, les Aganites, les groupes de Festaire Bazadé, on a pris l'initiative de cette année de créer une association pour aider les éleveurs en fait qui ont fait part de leurs difficultés l'année dernière, difficultés pour continuer à élever des bœufs gras pour la fête. Et récompenser un peu plus le travail qu'ils réalisent. Donc on a créé une association qui s'appelle l'association de sauvegarde pour la fête des bœufs gras de Bazas, qui est destinée en fait à recevoir des dons d'entreprises et de particuliers, qui bénéficient d'un avantage fiscal, puisque c'est un organisme d'intérêt général. Et les dons sont entièrement reversés aux éleveurs qui participent à la fête. Tous les fonds qui seront récoltés cette année seront destinés à les accompagner pour la fête de l'année prochaine. D'abord, c'est le terroir. Tout le monde de tout temps à jamais s'est nourri d'animaux élevés à la ferme. Aujourd'hui, si on n'a pas d'agriculteurs, d'éleveurs, de tout ce que l'on a qui touche la terre, on mange quoi? Du préfabriqué. Aujourd'hui, on a une chance d'avoir encore des gens qui élèvent ce genre d'animaux. On sait que pour eux, c'est un travail imposant, parce que bon, il faut qu'ils fassent un roulement de 4-5 ans. La fête des bœufs gras est une fête ancestrale à Bazas, puisque bon, ça va faire plus de 700 ans. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le bœuf de Bazas, ça représente ce qu'on a à l'assiette. C'est quelque chose qui se savoure, qui se déguste, qui se prépare. Pour moi, qui suis du monde rural, bon, Bazas, c'est la tradition. Quoi. C'est une ville de Gironde. Hein, qui a les meilleures fêtes ancestrales. On peut regarder tout le passé des fêtes, on s'aperçoit c'est les bœufs gras, c'est la fête à Saint-Jean, c'est la fête à Palombes, c'est... Vous voyez, tout un tas de fêtes qui aujourd'hui se retrouvent qu'à Bazas. Bazas, pour moi, c'est l'autre moitié de la Gironde par rapport à Bordeaux. Bordeaux, aujourd'hui, va avoir tout ce qu'il y a de plus pharaonique. Pourquoi nous, les petites communes, le Bazadé, on n'aurait pas nos traditions, notre fête gasconne? Les gasconnes de Bordeaux, c'est quoi? Moi, à Bordeaux, je vois peu de monde porter le béret et avoir la tronçonneuse ou le bétail à la main se promener en Bordeaux. Donc Bordeaux, qu'ils aient une origine, moi je veux bien, mais qu'on laisse à la campagne, au monde rural, eh bien, nos traditions.